Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il nous accompagne sur les routes. Il était donc tout à fait normal de vous le présenter. Allez, suivez-moi. Lui, c'est un Renault de marque française, obligatoire pour nous. D'ailleurs, à ce sujet, nous souhaitions remercier la concession Renault Truck de Libourne, à côté de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et plus particulièrement leur directeur commercial Bertrand. Donc toute la famille se joint à moi pour te remercier une fois de plus de ton implication professionnelle et surtout personnelle pour la réalisation de notre projet. 11 litres, 380 chevaux, 6 roues motrices. C'est le meilleur compromis entre consommation et sortir de toutes les situations. Notre choix s'est porté sur un 6 roues motrices au lieu d'un 4 roues motrices, tout simplement pour la partie habitable. Un 4 roues motrices, vous ne pouvez pas excéder 5,50 m de longueur de partie habitable, alors qu'un 6 roues motrices, vous pouvez aller jusqu'à 7,50 m. On a fait le choix des mètres carrés supplémentaires. L'autre particularité de notre véhicule, c'est sa cabine. Habituellement, sur des tout-terrains, vous avez des cabines toutes petites, que ce soit en hauteur ou en longueur. Tout simplement pour que ces véhicules puissent passer dans des hangars, dans des chemins de traverse ou autres. Nous, on a souhaité tout l'inverse, avoir la cabine la plus spacieuse possible. Ce fut un vrai défi, un vrai challenge pour Renault qu'ils ont relevé avec plaisir. Je vais vous montrer l'intérieur pour comprendre tout de suite. Donc les atouts de cette cabine Night and Day, c'est son volume, sa hauteur de plafond. Je mesure 1m89 et je me tiens debout sans aucun problème. Il était vraiment important pour nous d'avoir ce volume, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps dans ce camion. Avoir une cabine plafond bas, on se serait senti oppressé, un peu enfermé. Donc on voulait vraiment avoir cette sensation de liberté aussi. Et surtout, le deuxième point très important, standard, elles sont équipées d'un lit derrière les deux sièges. On a fait donc supprimer ce lit afin d'y installer deux sièges pour nos enfants. Deux vrais sièges, bien sûr, poids lourds, puisqu'ils sont montés sur pneumatiques avec tout le confort nécessaire. Ces sièges sont perpendiculaires à la route, homologués, bien sûr, un camping-car homologué, 4 places. Mais 1m89 passe bien. Alors bien sûr, un peu plus grand, ça devient compliqué. Il faudrait mettre la tête au niveau du toit ouvrant. Voici les sièges donc homologués et perpendiculaire à la route. Donc ce sont bien des sièges de chauffeur, donc montés sur pneumatique aussi, afin qu'ils aient le meilleur confort pour la route. Alors bien sûr, comme ils sont encore petits, rehausseur oblige pour la ceinture. Le côté sympa des sièges perpendiculaires, c'est que ça permet aussi d'accueillir des adultes. Puisque voilà, toujours dans mes 1m89, je suis bien installé. J'ai pas de problème au niveau des épaules et encore moins au niveau de mes jambes. Donc ça veut dire que deux adultes de au moins 1m89 peuvent se mettre face à face sans problème. Donc le passage cabine. Donc pour nous, c'était important d'avoir ce passage cabine qui permet de communiquer directement avec la cellule derrière. Là aussi, on a profité de cet espace pour pouvoir faire installer une table. Comme ça, pendant le voyage, les enfants peuvent dessiner, travailler, parce que oui, on fait aussi l'école sur la route. Donc bien sûr, on a profité de tout cet espace pour essayer de trouver des petites astuces. Par exemple, pour étendre le linge, parce que ça, c'est un vrai problème. Donc bien sûr, on a une corde à linge extérieure qu'on doit trouver entre deux arbres ou accrocher au camion, puis un arbre. Mais sur les temps de pluie, où on ne peut pas non plus sortir notre linge en public, il faut quand même rester discret, on a fait poser une ici et la deuxième là-bas
Ce sont deux cordes à linge qu'on déploie pour pouvoir étendre notre linge dans la cabine. Et voilà, donc on en a deux, ça permet vraiment d'éteindre une bonne partie de notre linge. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre des charges lourdes comme des jeans, et on utilise cette poignée justement pour y mettre des cintres et les charges lourdes comme les jeans, les pulls ou autres. Quand il fait beau, on ouvre le toit ouvrant et l'aération se fait naturellement et le linge sèche très vite. Alors c'est sûr que quand il pleut, ça met un petit peu plus de temps parce que dans cet espace un peu fermé, bah forcément sans l'aération, le linge met du temps. Mais ça dépanne quand même très très bien. Ici, au-dessus de la partie conducteur, c'est tout ce qui est éléments de sécurité pour pouvoir intervenir rapidement. Donc là, on a tout ce qui est lumière, gilet fluorescent, veste, pluie, gants. Au milieu ici, on a tout ce qui est parti un petit peu aide-outillage, une scie. Donc on en a eu bien besoin pour couper des branches, sinon on ne passait pas. Et un pointeur laser, oui, parce que dans certains pays, la hauteur des ponts n'est pas indiquée. Et soit vous prenez le risque et vous voyez si ça gratte ou pas, ou soit vous vous arrêtez et on prend la mesure sous le pont. Ça nous a quand même pas mal de fois aidé. Sur cette partie-là, nous avons une partie talkie-walkie. Ah oui, parce qu'avec 10,50 m de long, quand on fait une manœuvre, on a besoin de se parler. Donc entre le moteur et tout et les cris, on ne s'entend pas. Et donc ici, nous avons la partie, on va dire, un peu plus confort, standard avec les enfants. Donc coussin pour dormir, petit mouchoir, lingette pour les mains, parce que bah, oui, il faut de temps en temps les autoriser à manger dans le camion pendant qu'on roule. Qu'est-ce que je viens de pas dire ? Les autoriser à manger pendant qu'on roule. Ils en mettent partout. Grâce à cette habitabilité de cette cabine, nous avons encore pas mal de rangements. Initialement, il y avait deux gros coffres sous le lit qu'on a été obligé de supprimer pour mettre les sièges des enfants. Néanmoins, il reste encore de la place. Nous utilisons cette place-là pour ranger un petit peu de matériel de rechange. Tout ce qui est fluide, de l'huile, liquide de refroidissement, liquide lave-glace. Allez, je vous montre. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la cabine, on va parler un petit peu de la cellule et surtout de ses extérieurs. Donc la cellule a été réalisée par la carrosserie Paillard qui se situe dans le 35 ABD en Bretagne. Donc là, on tient aussi à remercier donc Stéphane, le propriétaire de la société, mais surtout François qui est le chef d'atelier et chef de projet. C'est avec lui qu'on a échangé pendant une longue année sur ce qu'on souhaitait et sur ce qu'il pouvait faire techniquement. Ah oui, parce que des fois entre les demandes et la réalisation, il peut y avoir un écart. Ils ont toujours été très disponibles et appréciables de travailler avec des gens qui ont cette conscience et cette disponibilité. La cellule mesure 10 mètres de long. Alors, je vous ai dit au préalable qu'elle faisait 10,50 m. Ce sont pour les roues de secours qu'on verra tout à l'heure. Mais elle fait bien 10 mètres par 2,43 m, ce qui représente 24 mètres carrés habitables. Et oui, ça commence à être assez sympa en termes de volume. Ici, nous passons sur la partie haut. Nous avons deux cuves de 400 litres. Chacune pour un total donc de 800 litres d'eau. Le remplissage se fait simplement ici, cuve 1 et cuve 2, avec des raccords de jardin connexion rapide. On branche un robinet extérieur, le tuyau, connexion. On ouvre une des vannes, le remplissage se fait une fois que c'est plein. Il y a un trop plein d'eau ici qui vient s'écouler sous le camion. On sait que la cuve, elle est pleine. La particularité aussi, c'est que nous avons fait poser un système de puisage et d'arrosage qui permet là l'effet inverse de brancher un tuyau et quand on ouvre, ça enclenche la pompe à eau et ça permet de sortir l'eau, d'avoir un jet d'eau. Ce jet d'eau peut servir à faire des nettoyages du camion, nettoyer des ustensiles, ce que l'on souhaite. Nous avons une prise de 220 volts à côté pour pouvoir y brancher si l'on souhaite une pompe pour pouvoir pomper l'eau dans un lac ou autre. Donc on a acheté une pompe dite de jardin, une pompe de relevage. Toute l'eau, quelle qu'elle soit, est toujours filtrée. Il y a des filtres à sable, filtres à charbon, on a même des lampes à UV pour rendre l'eau potable. Alors en dessous des réserves d'eau, nous avons un réservoir de 320 litres de gasoil. On a donc notre réservoir d'eau usée qui est à l'extérieur. Il fait une contenance d'environ 300 litres. Ce réservoir est isolé et il a aussi une résistance. Et oui, parce qu'avec les températures négatives, il ne faudrait pas que les eaux usées gèlent.
Donc pour vidanger les eaux usées, il y a une guillotine en diamètre 80. On tire, tout s'écoule. Alors malheureusement, on s'est retrouvé certaines fois en difficulté pour vider les eaux usées. C'est que nous n'avions pas la possibilité de nous mettre au-dessus de la grille d'eau usée. Qu'il a fallu qu'on utilise des tuyaux, raccords pompiers, pour pouvoir s'écouler. Mais aussi, par moment, la difficulté de ne pouvoir utiliser ces fameux raccords pompiers. Donc on a fait poser une vanne 3 quarts dessous, standard, sur lequel on vient brancher un tuyau d'arrosage qui nous permet de vider aussi plus facilement. Donc deux possibilités, une vanne 3 quarts standard et ainsi que la guillotine en diamètre 80. Petit coffre de rangement entre les essieux arrière. On retrouvera justement le fameux raccord pompier avec les gants, donc nécessaire à vider les eaux usées. Nous avons plusieurs longueurs, nous avons une longueur de 15 mètres et une longueur de 5 mètres. Ensuite, le coffre sur la partie porte-à-faux arrière, donc le premier coffre. On y trouve donc la pompe, tuyaux et le remplissage des cuves, ainsi que différents raccords nécessaires, des seaux et autres. Le système à rack permet une optimisation de rangement avec des petites baguettes qui empêchent les racks de bouger pendant la route et surtout pendant le tout-terrain. Voici la soute arrière qui est notre plus grand espace de rangement. On a souhaité l'optimiser en y intégrant un rack avec des bacs. Voilà, donc chaque bac est étiqueté avec ce qu'il y a dedans. Donc on y retrouvera les affaires de ski, on y retrouvera tout ce qui est affaires de plage, jeux pour enfants, les vêtements d'été, etc. C'est maintenu par des tiges métalliques pour éviter que les bacs bougent durant le transport. Une fois ce rack ouvert d'un côté, on peut y voir l'intérieur. Nous avons optimisé la place entre le rack et la cloison pour y installer des fixations pour nos skis et une échelle pour aller sur le toit. On y retrouvera la petite douchette pour l'extérieur quand besoin est en été ou autre. Mais on y retrouvera aussi une prise 220 volts. C'est toujours très utile pour pouvoir bricoler. La partie arrière, on a donc deux coffres hauts pour les pièces de rechange et nos deux roues de secours. On a vu que c'était très compliqué de pouvoir changer une roue de secours, surtout quand elle est en hauteur. Son poids, ses dimensions font que c'est quand même très compliqué. La carrosserie Paillard nous a proposé une super solution. De chaque côté, on enlève les goupilles de sécurité. Et à l'aide d'un treuil, on fait descendre le tout. Cela permet donc d'avoir les roues de secours à hauteur et donc de les faire rouler beaucoup plus facile lorsqu'il faut les changer. On y trouvera de l'outillage, des pièces de rechange, des serviettes pour pouvoir bricoler. C'est la même chose de l'autre côté. Une fois fini, il n'y a plus qu'à remonter le tout. Et nous avons cette barre anti-encastrement de position. Position basse pour les routes et position haute pour le tout-terrain. Là aussi, la carrosserie Paillard a fait une petite astuce. Donc l'astuce de la carrosserie Paillard, c'est d'utiliser le volume aussi utile à l'intérieur de cette barre anti-encastrement. Donc un petit bouchon de chaque côté hermétique qui permettrait d'y ranger canne à pêche, voilà des choses assez longues. Et oui, comme on l'a dit, chaque espace est utilisé sur notre camion. Le rack sorti de l'autre côté, nous avons ici sur le devant un espace qui nous permet d'y mettre table et objets volumineux. Nous avons ici, maintenu par des sangles, toujours pour éviter que ça ballotte pendant le transport, nous avons des rangements pour les chaises ainsi que les trottinettes de nos enfants. On continue cette visite avec le deuxième coffre sous le porte-à-faux. On y trouve toujours le même concept avec des bacs de rangement et toujours des tiges métalliques qui maintiennent ces bacs pour éviter que tout bouge.
On y retrouvera notre partie électrique, rallonge, différents raccords pour prises et adaptateurs, différentes sangles. Mais surtout la partie intéressante, on y retrouve un barbecue portable, un barbecue charbon. Alors oui, on aurait voulu avoir une cuisine extérieure, mais après réflexion et après échange avec des personnes qui en ont, on a abandonné l'idée. Alors pour plusieurs raisons. La premièrement, il faut tout nettoyer avec la cuisine extérieure, alors qu'avec un barbecue traditionnel, une fois que les cendres sont refroidies, on retourne le barbecue, on nettoie avec une brosse et c'est fini. Et surtout, l'autre aspect, c'est les cuisines extérieures salissent énormément la cellule, parce qu'avec la cuisson, il y a du gras qui monte, ça voudrait dire mettre des protections supplémentaires, des auvents supplémentaires. Donc on a abandonné cette idée. Toujours encore et encore des rangements, donc là aussi on optimise de ce côté aussi, entre les deux essieux arrière, un rangement. Donc là on y range la partie remorquage, sac poubelle, copeaux, et c'est vraiment un petit fourre-tout, mais toujours très utile, il en faut toujours au moins un. Ensuite, au-dessus de ces rangements, un store extérieur. Donc on a fait poser un store mécanique. Ah oui, parce qu'on a essayé dans la mesure du possible de supprimer l'électronique. Parce que l'électronique reste quand même très fragile en tout terrain. Se faire secouer en permanence, ça n'aime pas. Alors que la bonne vieille mécanique et l'huile de coude, il suffit de juste mettre un coup de dégrippant, un coup de manivelle, et généralement, tout repart. Rangement. Donc là, on utilise aussi un volume qu'on perdait dans la cellule pour pouvoir le transférer sur l'extérieur. Cela permet de ranger les sacs à dos qu'on utilise pour aller faire les courses. Et oui, parce que malheureusement, avec notre beau bébé, on ne va pas en plein centre-ville. Donc, sac à dos oblige pour aller faire les courses. On y range guitare, différentes pièces détachées aussi. Et la fameuse trousse d'outillage indispensable. Et oui, parce que ça nécessite beaucoup d'entretien. Dans notre périple, on sera amené à utiliser les sacs à dos. Par exemple, quand le véhicule voyagera pour aller sur le continent américain, il était donc important pour nous qu'on ait des sacs à dos backpack costauds. Donc c'est là où sont rangés tous les sacs à dos. Donc on a fait le choix de supprimer un escalier escamotable pour pouvoir avoir encore plus de rangement. À côté du rangement spécifique pour les sacs à dos, on retrouvera notre deuxième réservoir. Et oui, on en a deux. Grâce à ce deuxième réservoir, ça porte une totalité à 620 litres de gasoil, ce qui nous donne une autonomie d'environ 2200 à 2500 km. Et oui, tout dépend de la consommation, si on est sur du plat ou du tout terrain. Bon, la consommation, on ne va pas en parler maintenant, c'est un sujet qui pique un peu. À côté du deuxième réservoir, on retrouvera donc la Deblouf, donc un réservoir de 48 litres important, donc on l'a fait surdimensionner, puisque à la base, ils sont plus petits quand même, puisqu'ils n'y sont normalement équipés que pour un réservoir gasoil. Donc nous, on a fait modifier aussi ce réservoir à Deblouf pour qu'il soit plus en adéquation avec nos deux réservoirs de gasoil. Donc au-dessus des réservoirs et de la Deblouf, on a la partie électricité. Nous avons un chargeur, ici 220 volts. Et nous avons un chargeur 110 volts. On l'a déjà installé comme nous on a prévu d'aller aux Amériques. Et là-bas, le courant est en 110 volts. Donc, on l'a fait installer d'origine. Ensuite, on a tout ce qui est 24 volts et 12 volts. Parce qu'on a, oui, effectivement, aussi des circuits 12 volts, 24 volts et 220 volts dans le camion. Le 12 volts, c'est pour tout ce qui sera éclairage. Le 24 volts pour tout ce qui est un petit peu électroménager. Et le 220 volts, tout ce qui sera pour recharger nos appareils, par exemple informatiques. 12 volts, 160 ampères chacune. Elles sont donc rechargées. Soit avec le chargeur 220, donc qu'on branche par exemple dans une prise électrique dite standard, soit avec nos panneaux solaires. On a 1800 watts de panneaux solaires et aussi on prend une petite partie de l'alternateur du camion. L'alternateur du camion fait 185 ampères et on en a dédié 50 ampères. Il vient de recharger aussi les batteries lithium. Donc seulement et uniquement s'il fait un temps vraiment très moche et qu'on ne roule pas, que là on peut avoir des soucis au niveau des batteries. Mais sinon le reste du temps, cela ne pose aucun problème, on a un parc batterie qui est parfaitement dimensionné avec nos besoins. Comme nous n'avons pas fait le choix d'avoir un escalier escamotable, on est parti sur un escalier qui se glisse directement sous la cellule.
Allez, c'est parti, je vous montre l'intérieur. Ah oui, mais non, attendez, ça fait pas partie de cette vidéo, ce sera la prochaine. À très vite.